Bonsoir. Bonsoir aux deux premiers venus. Merci de nous rejoindre sur la page de la brigade anti-sardinat pour le direct du 5-7-2021. Comme d'habitude, je demanderai au tout premier venu de procéder à un partage d'abord. Le partage se fait en direction des personnes qui sont sur place au Cameroun parce qu'effectivement, la brigade anti-sardinat de Douala, le direct de la brigade anti-sardinat de Douala est fait pour les personnes qui sont sur place au Cameroun. Et donc, sélectionnez. Si vous êtes en train d'écouter actuellement le direct de la brigade anti-sardinat depuis d'étrangers, bien vouloir indiquer ce lien à les Camerounais de l'intérieur, à vos cousins, à vos frères, à vos mamans, à vos grands frères, grandes sœurs, afin qu'ils soient nombreux à nous joindre. Bien entendu, protéger le direct. Vous le savez, nous l'avons répété maintes fois. Ce direct est menacé tout simplement parce que les dirigeants camerounais ne voudraient pas que la base s'installe au Cameroun. Et donc, ils ont pris attache avec Facebook qui nous a fait le retour et présenté cette page de la brigade anti-sardinat de Douala comme étant un mouvement de terroristes. Et voilà, Facebook nous a fait une lettre interne pour nous demander de nous présenter, ce que nous avons fait. Et maintenant, c'est à vous de faire en sorte que cette page ne disparaisse pas. Pour cela, vous devez tout simplement partager au maximum. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez, vous le partagez dans différents groupes sur Facebook afin que le nombre de partages puisse confirmer, disons, au service de contrôle de Facebook que voilà, nous sommes un mouvement qui est apprécié à travers le Cameroun et vos likes vont confirmer effectivement que nous n'avons rien à faire avec le terrorisme. Bonsoir à Madame Taylor. Madame Taylor, bien vouloir partager s'il vous plaît. Bien vouloir partager au maximum avant qu'on ne commence. Le direct de ce soir sera intéressant du fait des thèmes que nous allons évoquer. Et ces thèmes sont variés. Varie pourquoi? Parce que justement, la qualité de l'actualité de ce soir est variée. Et surtout, vous savez, depuis que j'ai décidé de rejoindre la résistance, je vous parle ici de mon expérience personnelle, lentement, je prends goût à ce que je fais. Et définitivement, je suis convaincu du fait que je suis dans le bon camp, le camp de la justice sociale, le camp qui a décidé de se placer du côté des opprimés, qui a décidé de soutenir les plus faibles, qui a décidé de soutenir la veuve, qui a décidé de soutenir les sans-voix. Donc, c'est ce camp qui est le bon camp.
Maintenant, en face de nous, je ne vais pas forcément dire que il faut diaboliser ceux qui sont nos adversaires. Mais seulement, de par la posture que ces derniers ont, je ressens cette nécessité de me battre contre eux. Je ne voudrais pas me battre contre eux parce que j'ai de l'animosité contre eux. Je me bats contre eux parce que j'estime que mon combat est juste. Et c'est la justesse de mon combat qui fonde ma détermination dans la lutte. Donc ça, c'est ma conviction personnelle. Je ne connais pas la conviction des autres membres de la brigade anti-sardinat de Douala. Et à propos justement de la brigade anti-sardinat de Douala, je voudrais vous confirmer que effectivement, nous émettons depuis quelque part dans le littoral. Nous n'allons pas vous révéler depuis quel endroit nous émettons, tout simplement pour la simple raison que, voilà, vous devez comprendre que les raisons de sécurité sont prioritaires. Mais je peux vous confirmer que nous émettons depuis le littoral. Nous sommes sur place au Cameroun. Nous avons décidé d'aller dans la clandestinité pour exprimer nos opinions parce que, vous le savez très bien, devoir se déclarer devant les autorités camerounaises comme étant les membres de la brigade anti-sardinat de Douala signifierait pour nous la prison. Et pas que nous avons peur d'aller en prison, non, c'est pas ça. En fait, c'est que pour des raisons tactiques, nous avons l'obligation de rester dans l'ombre afin de pouvoir mener le combat qui nous permettrait de libérer le Cameroun. Donc, voilà un peu les motivations qui nous ont poussés à prendre le maquis afin de pouvoir exprimer nos idées. Revenons maintenant au contenu du direct de ce soir. Vous l'avez certainement lu, chaque fois, c'est devenu une habitude au niveau de la page de la brigade anti-sardinat. Généralement, nous structurons notre direct et nous inscrivons sur la page de la brigade anti-sardinat le contenu de notre direct pour que ceux qui arrivent sur la page, s'ils sont intéressés, qu'ils y restent, qu'ils savent de quoi est-ce que nous allons parler. Et voilà, s'ils ne sont pas intéressés, qu'ils se retirent. Ça, c'est l'avantage de préciser à l'avance les thèmes que nous allons aborder dans le direct. Et les thèmes de ce soir, je l'ai dit tout à l'heure, sont très riches. Nous allons commencer par le débriefing du Giga Meeting du samedi 3-7-2021. Après ce débriefing, nous allons aborder le deuxième thème, à savoir le procès que le régime a perdu ce jour du côté de la France contre la brigade anti-sardinat de France, contre les leaders de la brigade anti-sardinat de France. Après ce deuxième point, le point 3 va concerner l'agression de Christelle Mirabel Lingam. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissez pas la dame en question. Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que nous évoquons cette agression, pourquoi est-ce que cette agression est très importante, alors restez branchés sur la page de la brigade anti-sardinat de Douala. Nous allons aborder ce thème dans la troisième partie. Tout à l'heure. Le point 4 de la communication de ce soir porte sur le tribalisme à la CRTV. Vous le savez très bien, il y a une institutionnalisation du tribalisme au Cameroun. Et cette institutionnalisation du tribalisme se traduit dans les services publics. Nous avons décidé de prendre le cas de la CIA TV ce soir pour vous démontrer qu'effectivement, la CIA TV
est le chantre de l'ethno-fascisme de la tribu présidentielle qui a établi au niveau de cette institution publique une chefferie tribale. Donc Charles Ndongo, tout à l'heure, nous avons démontré que, contrairement à ce qu'il a pu affirmer, Charles Ndongo est un tribaliste primaire. Le cinquième point de la communication de ce soir, ça concerne le traître de Bapolipo. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas qui est Bapolipo, je tiens à vous rappeler que c'est le leader de l'UPC qui est devenu plus tard président du conseil d'administration d'une société d'État et disons qui a trahi l'idéal de l'UPC et essaie de revenir dans le jeu politique en parlant de questions sensibles que nous allons aborder tout à l'heure en relation avec sa position de nouveau traître. Donc, voilà. Commençons d'abord par introduire cette soirée en vous demandant à tous, nous sommes actuellement à peu près 26, à tous ceux qui nous suivent actuellement sur la page de la Brigade Anti-Sardinale, s'il vous plaît, je ne saurais assez le dire, partagez au maximum, partagez en priorité aux Camerounais qui sont sur place. Parce qu'en fait, je le dis encore, le but de ce que nous sommes en train de faire, c'est conscientiser les Camerounais. C'est demander aux Camerounais de sortir de leur torpeur, de ne plus avoir peur, de maîtriser leur peur et de constituer des groupes de résistance dans le Cameroun afin de nous libérer de ce qui s'apparente être un gris-à-gris patrilinéaire, c'est-à-dire la transmission du pouvoir de Paul Biya à son fils Franck Biya. Cela nous concerne nous tous. Nous devons prendre nos responsabilités. La diaspora en fait beaucoup. Et pas plus tard que samedi, la diaspora nous a démontré qu'elle était à nos côtés et qu'elle était prête à s'investir, qu'elle était prête à se sacrifier afin que les Camerounais prennent le chemin de la rue. Donc, voilà ce que je voulais surtout dire ce soir. S'il vous plaît, partagez, partagez en direction de vos cousins, de vos cousines, de vos grands frères, de vos grandes sœurs, de vos parents, papa, maman qui sont au Cameroun. Je dis bien au Cameroun. Si vous écoutez cette voix de la brigade anti-Sardinale de Douala depuis l'étranger, vous devez faire le partage en direction des personnes qui sont sur place au Cameroun parce que nous sommes effectivement quelque part dans le littoral. Donc voilà ça. Avant de commencer la première partie du briefing, du giga meeting du samedi 3/7/2021, je vais vous demander, vous tous, d'envoyer les cœurs. Envoyez les cœurs à la générale Barat, à la générale Suzanne Barat, qui a fêté ses 51 ans ces jours. Vous connaissez qui est la générale Barat, on ne la présente plus. C'est une panafricaniste qui s'investit au combat anticolonialiste contre le régime français. Et ça lui a valu beaucoup d'humiliation, beaucoup d'inimitié. Et la générale Barat est restée ce qu'elle est, à savoir une panafricaniste convaincue de la nécessité de sortir du franc CFA, cette monnaie de singe qui nous a été imposée par le colon français. Voilà, nous souhaitons un joyeux anniversaire. S'il vous plaît, on est 27 sur cette page. Allez-y tous, envoyez des cœurs à la générale Barat. Envoyez-lui des cœurs. Je veux voir les cœurs pour la générale Barat.
commencer déjà à envoyer les cœurs. Je veux voir les cœurs, beaucoup de cœurs pour la générale Suzanne Barat. Envoyez-lui le maxi de cœurs. Envoyez-lui votre amour. Dites à cette femme qui est l'incarnation de la résistance contre le néocolonialisme français en Afrique. Dites à cette femme que vous lui souhaitez un bon anniversaire. Dites à cette femme que voilà, le peuple de la résistance l'aime et en ce jour spécial pour elle, nous lui souhaitons tout le bonheur. S'il vous plaît, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Beaucoup de cœurs pour la générale Barat, générale Suzanne Barat. Happy birthday, happy birthday, ma grande. Merci pour tout ce que tu fais pour l'Afrique. Merci pour tout ce que tu fais dans le combat panafricaniste. Ta cause est juste et d'ici peu, la couronne du roi va t'appartenir. Beaucoup de cœur à la générale Barat. Voilà, ça c'était l'intro de ce soir. C'était certainement le carnet rose sous forme d'intro de ce soir. Une dédicace particulière, une dédicace spéciale à la générale Suzanne Barat pour son investissement dans notre cause qui est la libération de l'Afrique du système néocolonialiste français. Voilà. Donc, voilà, je dis envoyez, envoyez. Moi, je ne vois pas les cœurs. Moi, ça me fait mal. Ces cœurs-là, vous les gardez pourquoi? Envoyez les cœurs au général Barat. Suzanne Barat a 51 ans. Et ça mérite des cœurs, ça mérite un maximum de cœurs de votre part. Il y a des gens qui restent là, qui sont morts. Allez-y, envoyez les cœurs. Voilà l'occasion où vous devez envoyer les cœurs à Suzanne Barat. Et personne ne se bouge. On est 29, il y a juste quelques petits cœurs par-ci, par-là. Envoyez un maximum, faites une concentration de cœurs à Suzanne Barat. J'espère qu'elle verra ce direct et qu'elle saura que. Voilà, les membres de la brigade anti-Salina l'aiment, les membres de la brigade anti-Salina de Douala l'adorent. Et voilà, que nous sommes de tout cœur avec elle lors de son jour d'anniversaire. Voilà, nous allons continuer le direct avec d'abord le décryptage ou alors le débriefing du Giga Meeting du samedi 3-7-2021. A priori, je vais vous dire quelque chose, c'est que les deux perdants, les deux grands perdants de cette manifestation, c'est Christian Pédé-Coka et certainement Célestin Dzamène. Voilà, je vais commencer par Christian Pédé-Coka. Vous le savez très bien, Christian Pédé-Coka a brillé ces derniers jours par son comportement quand même assez incroyable. Vous savez, lorsque le professeur Maurice Kamto a eu l'idée d'apporter le secours de la diaspora aux Camerounais qui se retrouvaient abandonnés à eux-mêmes, parce que le gouvernement camerounais, justement, n'avait pas prévu de plan pour combattre le Covid, le professeur Maurice Kamto étant un juriste de formation, il estimait que la personne la plus à même de conduire cette mission, c'était Christian Pédé-Coka, qui est un spécialiste de la gestion. Vous voyez, le professeur Maurice Kamto, il est plein d'humilité. Moi, c'est la caractéristique de ce monsieur. C'est l'une de ses grandes caractéristiques de cet homme, son intégrité, son humilité. Alors, dans son humilité, il a dit, il a estimé que non. Lui, le professeur Maurice Kamto avait l'idée. Il mettait sa popularité à la disposition de la bonne cause et que c'est pas parce que c'était lui qui avait eu cette idée qu'il fallait forcément qu'il se place à la tête du comité de gestion de SCSI. Il a donc fait appel au service de Christian Pédé-Coka qui après avoir reçu près de 500 millions de francs CFA, refuse à ce jour de rendre un rapport de gestion par rapport à la façon dont il a géré les fonds qui étaient mis à sa disposition. Donc, le grand perdant,
de la manifestation de samedi, c'est bel et bien Christian Pendeikoka. Christian Pendeikoka a cru qu'il pouvait, disons-le tout simplement, occuper la place du professeur Maurice Kamto. Il a cru qu'il pouvait manipuler la résistance contre le professeur Maurice Kamto. Mal lui en a pris. Ceux qui l'ont envoyé en mission se sont rendus compte au plus tard samedi le 3 juillet 2021 que le professeur Maurice Kamto est indéboulonnable. Ils se sont rendus compte que le leader de la résistance, c'est bel et bien le professeur Maurice Kamto. Il reste pour le moment irremplaçable. Et peut-être encore pour un long temps. S'il continue à se comporter comme il est en train de le faire, le professeur Maurice Kamto est parti pour rester le leader charismatique de la résistance pacifique comme il en a. Je vais vous dire une chose. Lorsque le professeur Maurice Kamto parle de résistance pacifique, c'est son droit. C'est quelqu'un qui est pour le pacifisme, qui a sa philosophie. Nous comprenons très bien le professeur Maurice Kamto. Nous le soutenons. Nous sommes tous ses soutiens. Au niveau de la basse, nous avons une approche différente de la lutte. Et bien qu'étant des adeptes du professeur Maurice Kamto, je dis bien des adeptes de ses méthodes, nous estimons cependant que il faut un peu plus de la vigueur dans la méthodologie pour parvenir à nos fins. C'est pourquoi, voilà, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la façon de combattre, il va toujours avoir cette dispute idéologique entre le MLC et la BAS. D'aucuns pensent que ce type de discussion divise ou alors polarise le combat. Non, ce n'est pas vrai. Ce type de discussion ne polarise pas le combat. Ce type de discussion, de par la pluralité des points de vue au sein de la diaspora combattante ou bien des combattants de l'intérieur, permet d'enrichir le débat sur les voies et moyens de vaincre le régime. Donc je le dis encore pour revenir justement à ce thème. Le grand perdant de samedi, c'est bel et bien Christian Pendeikoka, qui a cru que, à travers la manœuvre qu'il venait de mettre en place, il pouvait déboulonner, il pouvait manipuler la résistance contre le professeur Maurice Kamto. Et le deuxième grand perdant de la manifestation du giga meeting du samedi 3 juillet 2021, c'est Célestin Djamène. Vous savez, Célestin Djamène fait partie aussi des lieutenants du professeur Maurice Kamto. Célestin Djamène est allé jusqu'à recevoir une balle à la cuisse. Et du jour au lendemain, il a décidé de changer ses convictions. Il a décidé que la façon dont il menait le combat au sein de l'opposition, ça ne faisait pas de lui quelqu'un de riche, ça le classait toujours parmi les gens pauvres. Il a donc décidé de retourner sa veste et de rejoindre le parti au pouvoir. Il a créé son propre parti, le parti MAPAT. Je ne vais pas vous donner la définition de MAPAT parce que ce n'est pas très important. Mais vous et moi, nous avons vu que le premier meeting de MAPAT s'est déroulé dans un stade vide du côté de Maquette. Et je crois que au plus tard en ce moment, Jamel a dû se poser des questions. Et l'une de ces questions, c'était de savoir, est-ce que moi, Jamel, j'ai pris la bonne décision de rejoindre le parti au pouvoir? Donc, voilà. Un résumé. Les deux grands perdants du meeting du 3-7-2021, c'est bel et bien Célestin Jamel et Christian Pendeikoka, pour les raisons que je viens de vous donner. Maintenant, les grands gagnants de ce meeting, c'est certainement les organisateurs du meeting. C'est le colonel Sow, c'est Kamoala Panthère,
Moi, je l'appelle le général Kamo la Panthère. C'est le général Blé Goudé. C'est le général Wanto qui, de façon discrète et très efficace, a su mener les hommes sur le terrain. Ça a été toujours la particularité de Wanto. C'est ce côté que j'apprécie chez ce grand serviteur du peuple camerounais. Je dis, toute cette organisation qui a été mise en place pour permettre à près de 20 000, voire 30 000 Camerounais de se rendre à la place de la République, c'était formidable, c'était magique. Les images, on n'a pas besoin de les commenter. Vous avez vu les images sur les pages de la BAS. C'est des images formidables. Vous savez, c'était une organisation de ouf. C'était une foule de ouf. Tout était vraiment super. Tout a glissé, tout a bien fonctionné. S'il y a un autre aspect de cet événement que je voudrais évoquer ce soir avec vous, c'est l'état d'esprit du régime, hein. Le régime est en état de choc. Vous savez, dans le direct que j'ai fait samedi, justement le 3/7/2021, samedi le 3 juillet 2021, je vous ai dit que le régime était convaincu du fait que les Camerounais de la diaspora étaient divisés, que la résistance était divisée. Les renseignements généraux ont fait des rapports allant dans cette direction. Mais malheureusement pour eux, ce que ces derniers n'ont pas compris, c'est que l'une des plus grandes forces de la diaspora, je l'ai aussi dit samedi dernier, c'est que cette diaspora, malgré les divisions internes, elle sait mettre de côté ses problèmes et se réunir afin d'atteindre leur but. Ce n'est pas la première fois qu'on voit cela. Je tiens à vous rappeler que le mouvement qui a abouti à ce que Biya soit rapatrié au Cameroun, parce qu'il faut bien le dire, il faut bien le préciser, Biya est le premier président en exercice qui est rapatrié dans son pays. Vous devez comprendre quelque chose. Pour que Biya se rende en Suisse, il y a une série d'autorisations, même s'il est résident suisse. On sait qu'il est d'abord le président du Cameroun. Pour que Biya se rende en Suisse, il y a une série d'autorisations, il y a une série de procédures qui doit être enclenchée afin que un président de cet acabit, le président de ce pays, puisse se rendre en Suisse. Donc vous vous rendez compte qu'arrivé sur place, avec les manifestations de la BAS qui ont tenu en haleine la ville de Genève pendant près de 7 heures, 8 heures du temps, les populations de la ville de Genève ont réagi. Ils ont décidé de faire envoyer Paul Biya dans son pays, de le rapatrier. Biya est bel et bien le premier président rapatrié de l'histoire du monde. Et donc, vous voyez que, une fois de plus encore là, les renseignements généraux se sont trompés. À l'époque, les renseignements généraux avaient fait des rapports dans lesquels ils disaient à Paul Biya, maintenant tu peux te rendre en Suisse tranquillement, rien ne va se passer, l'opposition camerounaise est divisée, ils ne vont rien faire, voilà, vas-y, rentre, va en Suisse te détendre. Mais Paul Biya, sa grande surprise, est arrivé en Suisse. Ben, la capacité de mobilisation de la diaspora les a tous surpris. Et le fait que ces diasporas puissent tenir tête à la police anti-émeute genevoise pendant près de 7 heures du temps a choqué le Paul Biya, a choqué son épouse, a choqué tout son entourage. Et donc, le vendredi qui suit, lorsqu'on demande à Paul Biya de quitter le territoire helvétique, c'est un désarroi total. Donc,
Pour revenir maintenant aux manifestations du 3 juillet 2021, le régime était parti du fait que les rapports des renseignements généraux qui disaient qu'il y avait dissension au sein de la résistance, ça correspondait à de la vérité. En fait, pas du tout. Nous, au niveau de la brigade anti-sardinat de Douala, puisque nous essayons de reprendre des signaux des différents combattants, la Twin, la Basse France, Sandy Boston, tous ces combattants qui étaient sur place ont essayé d'agencer ou bien de transférer leurs signaux sur Facebook, sur notre page Facebook, sur la page de la brigade anti-sardinat de Douala, afin de vous donner la possibilité de pouvoir suivre sous différents angles ce qui se passait au niveau de la place de la République. Ce qui nous a le plus marqué, c'est surtout au début avec la tuile, on voit la population qui grandit, on voit comment les Camerounais se rassemblent, on voit comment il y a du monde. Mais là, en ce moment, on s'est dit, ça c'est incroyable. Mais ce qui est le plus formidable, c'est que quand on a vu la délégation d'Italie, parce que Sandy Boston, dans son direct, prenait la peine de présenter, ça c'est la délégation d'Italie, ça c'est la délégation du Luxembourg, ça c'est la délégation de la Belgique, ça c'est la délégation de l'Allemagne, ça c'est la délégation de Norvège. Délégation de Suède, délégation du UK. Tous les pays, la Hollande, tous ces pays étaient représentés à cette manifestation. Ça, c'était formidable. C'est-à-dire, vous savez, c'est l'un des moments où on se dit, voilà, on est dans le bon camp. Si les Camerounais de l'intérieur n'étaient pas phagocytés, n'étaient pas placés sous une chape de plomb. Si ces Camerounais, on ne les tenait pas par la terreur que le régime organise à longueur de journée dans les différentes villes du Cameroun, les arrestations arbitraires, les tribunaux d'exception qui jugent à l'emporte-pièce et qui envoient des Camerounais innocents dans les prisons, nous sommes sûrs et certains que même au Cameroun, on aurait assisté à ce même mouvement de foule. Mais nous devons reconnaître que les Camerounais de la diaspora sont formidables. Nous avons été subjugués par tant de détermination. Mais on s'est rendu compte au niveau de la brigade anti-sardinat de Douala que voilà, la détermination de ces Camerounais devrait aussi fonder notre détermination. Ça devrait aussi fonder la détermination de ceux qui sont sur ce direct. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes actuellement sur ce direct, résistez. Vous qui êtes au Cameroun, résistez. Résister ne veut pas forcément dire que tu prends une arme, tu abats un policier. Résister veut par exemple dire que lorsque tu arrives sur ce direct, que tu partages. Parce que lorsque tu partages ce direct dans les différents groupes Facebook, tu permets de pérenniser d'abord la page. Parce que, comme je l'ai dit, le régime n'est pas très content que nous émettons depuis le Cameroun. Ils ont essayé de repérer depuis quel endroit nous émettons. Mais je peux leur dire que nous avons des techniciens hautement qualifiés. Nous sommes un groupe de Camerounais hautement qualifiés. Nous sommes capables de brouiller notre système d'émission au Cameroun sans que personne ne puisse deviner depuis quel endroit nous sommes en train d'émettre. Nous savons qu'en face, ils utilisent un certain nombre d'instruments précis pour repérer des gens qui font des lives sur place au pays. Mais nous autres aussi, connaissant ce qu'ils utilisent,
On sait comment est-ce qu'on se sert de ces brouilleurs pour qu'ils ne puissent pas nous repérer. Donc voilà, je vais revenir sur le débriefing du giga meeting du samedi du côté de la place de la République pour vous dire tout simplement que voilà, nous devons être unis dans l'effort pour libérer notre pays. Ceux qui pensent que la libération du Cameroun, ce n'est pas leur affaire, eh bien le jour où vous êtes victime d'injustice, vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train de vous dire actuellement. Vous devez organiser des petites poches de résistance. Résister, c'est quoi? Lorsque vous voyez par exemple un camion militaire, vous regardez à gauche et à droite. Il n'y a personne, il n'y a pas de militaire. Vous allez percer les roues. Voilà la résistance. Lorsque les chars sont mobilisés pour être amenés dans le nozo pour tuer nos frères anglophones, et que vous regardez à gauche et à droite, il n'y a pas de militaire, il n'y a personne, vous décidez par exemple de prendre de la poussière et de jeter dans le système, disons, dans les centres de mêlée, d'ouvrir la partie où on met de l'essence, de jeter cette poussière à l'intérieur. Vous êtes en train de faire dans la résistance. Parce que cet engin ne pourra pas servir. Cette poussière va bloquer le passage de l'essence et cet engin ne pourra pas progresser. Cet engin ne pourra pas servir au massacre des Camerounais. Ça, c'est résister. La résistance, c'est des actes symboliques qui vont apporter un coup au moral de cette armée. Je tiens à vous rappeler que les anglophones qui résistent aujourd'hui dans le nozo, ils ne font pas quelque chose d'aussi extraordinaire. Les anglophones ont la conviction que leur combat est juste. Vous vous souvenez au départ, ces anglophones se servaient de front. Alors que les militaires camerounais avaient des armes sophistiquées. Et avec leur front, parce qu'ils avaient cette conviction que l'acte qu'ils posaient, c'était un acte juste, ils mettaient déjà les militaires camerounais en difficulté. Aujourd'hui, ces anglophones ont pu récupérer des armes modernes sur des armées camerounaises déboussolées dans cette partie du pays et posent de sérieux problèmes à l'armée camerounaise. La guérilla anglophone est en train de se structurer. Elle est en train de se diversifier. Elle est bel et bien là. L'armée camerounaise ne va plus dans le nozo n'importe comment. On a vu récemment, lorsqu'on allait enterrer M. Simon Achille Hachou, l'ancien Premier ministre, on a vu des autorités, des ministres qui faisaient masquer le numéro d'immatriculation de leur véhicule. Parce qu'ils avaient peur que les sécessionnistes anglophones, étant bien informés, connaissant qu'ils se trouvaient à l'intérieur de ces véhicules avec des plaques minéralogiques précises, pouvaient procéder à des tirs pour tuer les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de ces véhicules. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, les autorités camerounaises, pour se rendre dans les zones anglophones, sont obligés de se faire escorter dans leur propre pays. Ben oui, déjà, cette situation crée un choc psychologique auprès de ceux-là qui sont censés diriger le Cameroun. Et ça, les anglophones ont atteint ce point. Ça, c'est le plus grand mérite de la lutte que mènent les anglophones aujourd'hui. Donc, je le dis encore, résister à un système, c'est créer des symboles. C'est refuser de nourrir le système. C'est refuser de payer les impôts. C'est poser des actes qui vont affaiblir le système. Voilà un peu ce que je voulais vous dire par rapport à ce débriefing du giga meeting du samedi 3 juillet 2021. Je passe à la deuxième partie de la communication de ce soir.
Nous allons parler du procès de la BAS contre l'État du Cameroun. Vous le savez, depuis la casse des ambassades qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans, le régime avait porté plainte contre les activistes camerounais. La plainte a été dirigée contre le commandant en chef de la brigade anti-assassinat de France, Calibri Calibro, contre le général Wanto, le leader du CCD, et beaucoup d'autres leaders de la BAS en France. Voilà. Il se trouve donc que le verdict a été rendu et le régime de Yaoundé a été débouté dans sa plainte qu'ils ont intentée contre les leaders de la BAS. Je vais vous lire ici, je vais vous lire, disons-le tout simplement, un communiqué ou alors le résumé de ce qui a été dit ce jour dans la décision qui a été rendue par les tribunaux français. Dans l'affaire qui oppose l'État camerounais à la BAS, l'État camerounais à la BAS. Donc, permettez-moi de lire, parce que je suis en train de rechercher le document. Accordez-moi juste un petit instant, je vais vous lire en fait ce qui s'est déroulé pendant cette audience. L'auteur de ce que je vais lire, c'est l'un des leaders de la BAS UK, à savoir Brice Nietzsche. Brice Nietzsche a fait un article dessus qu'il a publié sur sa page personnelle. Je vous lis ce que Brice Nietzsche a écrit ce jour par rapport à la décision qui a été rendue du côté de Paris, dans l'affaire qui oppose l'État du Cameroun au leader de la BAS France. Excusez-moi. Le régime BI a été débouté et ridiculisé par la justice française ce jour. Les avocats du régime, dont les primes et honoraires se lèvent à plus de 30 millions de francs CFA, réclamaient de lourdes peines de prison et des dommages et intérêts importants contre le leader de la BAS Calibri Calibro, le leader du CCD, le général Wanto, et un autre co-accusé. Le juge a tout rejeté en bloc en retenant contre les 3 accusés une simple amende de 4 500 euros et 3 mois avec sursis sans inscription des peines sur les casiers judiciaires. Une gifle retentissante que le régime ne va du tout digérer. Dans la salle d'audience, les avocats du régime vociféraient comme des fous furieux après le verdict. Calibri Calibo a annoncé qu'il payera ses amendes au Trésor français en francs CFA et a réitéré que dans les tiroirs de l'ambassadeur, il y avait un carton de condoms à moitié vide. Personne ne peut dire s'il y avait aussi des bouteilles de Jack Daniels. Voilà un peu, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas bien, l'État du Cameroun a décidé de porter plainte parce que voilà. Ils estimaient que les manifestations, le débordement des manifestations qui se sont déroulées au niveau de l'ambassade, après que justement, le jour de cette manifestation, parce qu'en fait, il y avait une manifestation au Cameroun, et au cours de cette manifestation, on a tiré sur Michel Ndoki et Célestin Jamin. La BAS, donc, en réaction, s'il vous plaît, envoyez des cœurs pour protéger le direct. Envoyez beaucoup de cœurs. Donc, la BAS, en réaction aux tirs qui ont été effectués sur les populations non armées, a décidé de prendre l'ambassade. Je tiens à vous rappeler que la BAS, par la voix de El Chenou, avait déjà prévenu les autorités camerounaises que si lors des manifestations du MRC, on tirait contre les populations, que la BAS allait agir, qu'elle allait prendre les ambassades. La BAS a annoncé ça 2 semaines à l'avance. Curieusement, le jour où la BAS va prendre des ambassades,
Il n'y avait aucun dispositif de sécurité qui était prévu pour empêcher la base de prendre l'ambassade du Cameroun en France et en Allemagne. Vous devez le savoir. Ce qui est à l'origine du fait que l'ambassade du Cameroun en Belgique n'a pas été prise, c'est tout simplement parce que cette ambassade dispose d'une porte blindée que les manifestants camerounais n'ont pas pu briser. C'est uniquement à cause de cela que l'ambassade de Belgique n'a pas été prise. Et au niveau du UK, l'ambassade également n'a pas été prise du côté de Londres. Pourquoi? Parce que la police londonienne, connaissant les actes du caporal Grillé, connaissant les actes du célèbre caporal Grillé, la police londonienne avait pris des précautions. Ça dit que quoi? Elle avait installé autour du bâtiment de l'ambassade du Cameroun en Angleterre, elle avait détaché une escouade de policiers. Et c'est pourquoi l'ambassade du Cameroun en Angleterre n'a pas été prise. Mais sinon, la prise de l'ambassade du Cameroun en France et la prise de l'ambassade du Cameroun à Berlin, s'est fait facilement parce que justement ces ambassades n'étaient pas protégées. Bon voilà. Ce qui s'est passé, c'est un mouvement de colère. C'est un mouvement de colère parce qu'on avait tiré sur les manifestants. Hein? Et ce n'est pas parce que les membres de la base sont des brigands. Non, les membres de la base sont des révolutionnaires. À leur façon, ils ont décidé de faire entendre leur voix. Nous avons décidé de faire entendre notre voix en prenant les bases, en prenant les ambassades. Et lors de la prise de ces ambassades, on a quand même découvert des choses quand même assez incroyables. Dans le bureau de l'ambassadeur, on a retrouvé des sous-vêtements de femmes sous toutes les formes. Hein, il y avait les tailles L, les tailles M, les tailles X, les tailles XXL. Donc l'ambassadeur de France lui passait plus tout son temps à prendre du bon temps, à se faire plaisir. Et dans les cours, dans les tiroirs de l'ambassadeur, on a également retrouvé une liste de ses maîtresses disséminées dans la France. Et donc, lors du procès, la juge a posé la question, parce qu'il faut dire, je ne sais pas si on dit la juge, en tout cas, c'était une femme. Elle a posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui se trouvait dans les couloirs, dans les tiroirs de l'ambassade? Mais Calibri a dit la vérité, qui avait à l'intérieur des condoms? Hein? Le juge était assez surpris. Mais que font les condoms dans le bureau de l'ambassadeur, qui est un homme marié? À l'époque, l'ambassadeur, c'était Monsieur Ayolo. On a aussi retrouvé dans les tiroirs de l'ambassadeur, Monsieur Ayolo, des des rétroviraux, c'est-à-dire que des médicaments contre le sida. Donc, si vous avez des partenaires du côté de la France, vérifiez si on est, si on n'a pas couché avec Ayolo. Et Kayolo leur a fait refiler le sida. Donc voilà. Voilà ce qui a été découvert dans le bureau de l'ambassadeur. Vous vous rendez compte, tout un ambassadeur qui garde dans ses tiroirs, dans son bureau, la collection des sous-vêtements des femmes, garde également dans ses bureaux des antirétroviraux. Donc ce qui confirme que l'ambassadeur a le sida. Donc voilà ce qui a été retrouvé. Et donc, la juge, consciente du fait que, bon voilà, il y avait eu un petit, il y avait eu un peu de destruction matérielle, a tout simplement dit que voilà, c'était
la protestation. Le droit de protester, ça existe en France. Et donc, c'est pourquoi il a décidé d'une amende de 4 200 euros. By the way, je vais vous demander à tous qui vous retrouvez sur la page de la brigade anti-sardinat d'aider la base à régler les 4 200 euros. S'il vous plaît, passez sur la page de la brigade anti-sardinat de France et également sur la page de Calibri, Calibro et contribuez afin que nous puissions payer l'amende de 4 200 euros. La base de Douala va faire un tour de quête, on va le faire demain, et nous allons envoyer ça en France afin d'aider les camarades de la base France de pouvoir payer voilà la sanction pécuniaire qui a été décidée par le tribunal de Paris. Je tiens à vous rappeler que ils ont été condamnés avec 3 mois, ils ont été condamnés à 3 mois avec sursis. Et que cela ne sera pas porté dans le casier judiciaire, c'est tout vous dit. C'est que le juge a estimé que l'acte qu'ils ont posé n'était pas un acte en relation avec un délit normal. En fait, c'est un mouvement de colère à la suite du fait qu'on avait tiré sur des Camerounais le jour supposé de la prise des ambassades. Bon. Pour que vous le sachiez très bien, et là il faut apporter d'autres précisions, c'est que c'est la troisième fois que le régime perd, que le régime perd un procès contre la BAS. En Belgique, ils ont intenté un procès contre la BAS, ils ont perdu. Là-bas même, ils ont été condamnés au dépens. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tous les frais de procédure, hein, c'est eux qui vont prendre ça en charge. C'est ce que a décidé la justice belge. En Suisse, ils ont intenté une autre procédure contre la BAS. Ils ont également perdu. Bon, je vous épargne ce qui s'est passé le jour où la basse allemande, autour de Ndif Ndimeli et du reste, ils sont allés créer une situation de provocation au niveau de l'hôtel intercontinental avec une réaction brutale de la part des gardes du corps de Paul Biya, ce qui a conduit à ce que les gardes du corps de Paul Biya ont molesté un journaliste de la télévision suisse. C'est-à-dire que le monsieur qui se retrouvait là par hasard a vu comment on était en train de poursuivre les activistes politiques de la base d'Allemagne et il a braqué sa caméra. C'est-à-dire qu'un Suisse dans son pays, un blanc dans son pays, les éléments sauvages qui composent la garde présidentielle de Paul Biya, ils sont allés arrêter le blanc, passer le blanc à tabac. La conséquence a été la réaction de la police suisse, qui, une fois informée, est intervenue au niveau de l'hôtel intercontinental et a décidé de procéder aux arrestations. Ce jour-là, près de 10 gardes du corps de Paul Biya ont été arrêtés, c'est-à-dire avec menottes. On les a immobilisés devant l'hôtel intercontinental. Les images existent encore sur des pages de la BAS qui opéraient du côté de la Suisse ce jour-là. Ils ont été arrêtés par la police suisse. Ils ont passé 48 heures de garde à vue. Ils ont été jugés, reconnus coupables et expulsés de la Suisse. C'est même les premières expulsions qui ont précédé à l'expulsion même de Paul Biya, comme je l'ai dit au début de ce direct. Donc voilà. Ça, c'était pour vous expliquer un peu la genèse des procès que le régime a régulièrement perdu contre la BAS. Non, ce n'est pas la première fois. La France, ce qui s'est passé en France, c'est pratiquement la quatrième fois parce que, il faut le dire, en Suisse, il y a eu deux procès. Il y a eu le procès qu'ils ont mené contre la BAS. Acte 1. Avant cela, il y a eu un autre procès lorsque les gardes du corps de Paul Biya s'en sont pris à un journaliste de la télévision suisse. Et ils l'ont passé à tabac. Ils ont été arrêtés, ils ont été identifiés grâce aux images de caméras de l'hôtel intercontinental, arrêtés et passés devant les tribunaux. Ça veut dire que ça, c'est aussi un procès qui opposait la BAS au régime. Parce que Ndif Ndimeli
Et tous les autres combattants avaient porté plainte contre le régime. Et c'est sur la base de ces plaintes et la plainte du journaliste suisse qu'on a procédé à l'arrestation des Gorry et de Paul Biya. Ça, c'était le premier procès. Le deuxième procès va suivre. C'est l'État du Cameroun qui va porter plainte contre la base suisse. Et ils vont perdre ce procès contre la base suisse et seront condamnés au départ. Ça, c'était même le tout premier procès que le régime a perdu contre la base. Il y a eu un deuxième procès. Cette fois-là, c'était du côté de la Belgique. Et ce procès, le régime l'a perdu et le régime a été condamné aux dépens. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est qu'une condamnation aux dépens, ça veut dire que le tribunal belge a estimé que l'État camerounais qui avait tort et que l'État camerounais devait prendre en charge tous les frais de procédure. Ça, c'était la deuxième défaite, la troisième défaite du régime. Parce que, comme je l'ai dit en Suisse, il y a eu deux défaites devant les tribunaux. Et après la Suisse, on a eu la Belgique, troisième défaite. Et ce qui s'est passé aujourd'hui en France, c'était la quatrième défaite du régime contre la BAS. Donc, vous vous rendez compte, au sorti de la manifestation du 3-7-2021, voilà. Le régime, après la gifle de la manifestation du 3 juillet 2021, la grosse gifle que la diaspora combattante a mis au régime du côté de la place de la République, eh bien, 2 jours plus tard, on remet les couverts, le régime perd son procès contre la BAS. Oui, le verdict a été rendu et je vous ai lu le verdict tout à l'heure. Et voilà, l'état des procès intentés par le régime contre la BAS. 4-0. Le régime de Biya devra comprendre que, il devrait comprendre que dans ces pays occidentaux, ils n'ont aucune chance de gagner les procès. Parce qu'ici, les droits de l'homme sont privilégiés. Lorsque des gens décident de parler de leur situation, les Occidentaux ne vont pas t'empêcher de parler de ta situation. Les Occidentaux, les droits de l'homme chez eux, c'est sacré. On les respecte. Alors si le régime qui est habitué à user et abuser de la répression au Cameroun pense que c'est en Europe qu'il va gagner des procès, alors bonne chance. Ça fait le quatrième procès que le régime perd contre la BAS, contre la résistance dans la diaspora. Nous espérons qu'ils vont tirer les leçons de cela et qu'à l'avenir, ils n'auront plus dépensé l'argent du contribuable camerounais dans des procès inutiles. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au point 2 de la communication de ce soir, à savoir. Ce procès intenté et perdu par le régime en France. Le troisième point de la communication de ce soir, nous allons parler de l'agression de Christelle Mirabel Lingom. Voilà, je sais que beaucoup d'entre vous vont se poser la question de savoir que, mais attendez, c'est qui Christelle Mirabel Lingom? Est-ce que l'actualité autour de cette personne est si importante au point d'être évoquée par la brigade antisardinale de Douala? Je vais vous répondre tout de suite que oui, Christelle Mirabel Lingom, son histoire nous concerne au premier chef dans la mesure où, voilà, cette fille. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, qui ne comprennent pas l'histoire de Christelle Mirabel Lingom, je vais vous lire l'article de Norbert Kangenlili. Norbert Kangenlili, vous le savez tous, c'est un activiste qui vit au Cameroun, qui prend des risques et qui affiche ouvertement son nom et qui. Il y a
un jour, c'est-à-dire qu'il a publié ça dimanche. Voilà, je vous lis ce qu'il dit. Mirabelle Christine Lingot, la jeune dame faussement interviewée par certains cadres du PCRN et embastillée dans une sextape par les militants de Cabral Libi pour tuer le bourse occasionné par le même Gates, a été violemment agressée hier nuit à son retour de boulot. Vous devez comprendre une chose. Vous savez, lorsque l'affaire Camus Mema a éclaté, et que ça prenait de l'ampleur. Le PCRN, qui est un parti allié du régime, a décidé qu'il fallait créer une diversion. Et la diversion consistait à faire quoi? La diversion consistait à aller voler les images privées de Tchouta. Parce qu'en fait, en droit, ça s'appelle le pillage des scellés. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, M. Paul Tchouta, quand il était arrêté, voilà, les policiers ont saisi ses deux téléphones, ils ont saisi les disques durs de son ordinateur. M. Paul Tchouta, c'est un Camerounais qui est marié et qui a réalisé une sextape avec sa femme. Je dis bien une sextape avec sa femme. Et lors de la saisie, lors du scellage de ce qui était saisi chez lui, les policiers camerounais, les enquêteurs camerounais, ont donc vu cette image de M. Tchouta dans laquelle il couchait avec sa femme. Et lorsque l'affaire Camus Mim a éclaté, ce que les policiers vont faire, c'est, voilà, ils vont tout simplement, pour faire diversion, récupérer ces images et les balancer dans les réseaux sociaux, afin que l'on puisse accuser Paul Tchouta d'être aussi un pervers sexuel. Ce qui était loin d'être la vérité, parce qu'en fait, c'est l'épouse de M. Tchouta et lui qui sont dans cette vidéo. C'est plutôt la preuve que Paul Tchouta, c'est un homme fidèle. Lui, quand il fait sa sextape, c'est avec son épouse. Alors, pour essayer de démontrer à la population que la fille qui était présente dans la sextape de M. Tchouta n'est pas l'épouse de M. Tchouta, comme il a affirmé, ils sont donc allés prendre une certaine Mirabelle Lingom, Christelle Mirabelle Lingom, qu'ils ont présenté comme étant une fille dont Tchouta a détruit la vie. Vous connaissez très bien comment ça se passe. Nous, au niveau de la résistance, surtout la résistance, je veux dire, parce que vous devez distinguer deux types de résistance. Vous le savez très bien. Il y a la résistance qui est un peu plus radicale, qui est incarnée par la basse. Et il y a la résistance pacifique qui est incarnée par le MRC. Donc les gars du MRC, pour démontrer que ce qu'ils étaient en train de dire, pour démontrer que ce que le PCRN, la manipulation du PCRN, pour démontrer que la manipulation du PCRN était grossier, les gars du MRC, les activistes du MRC vont mener une enquête et retrouver la fille que l'on présente, que le PCRN va présenter comme étant la victime. Et ils vont obtenir un rendez-vous avec ces dernières et voilà, faire une interview. Cette fille va dire à l'intérieur de cette interview que elle n'est pas la copine de Paul Chouta. Un, deux, ce n'est pas elle qui est couchée dans ce lit-là. Qu'elle ne connaît pas Paul Tchouta, elle n'a jamais vu Paul Tchouta, et qu'elle est quand même assez surprise qu'on dise que c'est elle qui est sur la photo, c'est elle qui est dans ces images avec Paul Tchouta. Elle dit que ce n'est pas elle. Ce qui se passe maintenant, c'est que la tactique du PCRN ayant été éventrée, le PCRN va aller agresser cette fille
lorsqu'elle sort de son boulot le samedi soir, vous vous rendez compte l'intensité criminelle qui règne dans le parti de Cabral Duby. Donc, je vais vous lire les différents points de vue qu'il y a par rapport à cette histoire. Je vais commencer, permettez-moi de retrouver ces différents points de vue. Je vais commencer par, parce qu'il faut bien vous situer dans l'histoire. Il faut que vous compreniez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. Il y a beaucoup d'activistes qui ont parlé de cette histoire-là. Et au niveau de la brigade anti-satire de loi, nous avons sélectionné quelques textes que je vais vous lire. Donc, commençons par... Attendez-moi un instant. Donnez-moi juste un petit temps. Voilà. Je vais retrouver le document, faites-moi confiance. Ce document sera rapidement retrouvé. Et les différents documents, je vais les lire. Nous les avons compilés pour vous. Voilà. En faisant un peu le tour du net, on a pu trouver quelques documents en relation avec cette histoire quand même assez incroyable. Voilà, j'ai retrouvé les documents et voilà, je vais vous lire. Voilà, je vous lis d'abord l'explication des faits tels que livrés par Daline Guévot. Daline Guévot, c'est un autre activiste qui a décidé de ne pas cacher son nom, d'écrire complètement son nom. Alors, Daline Guévot écrit ceci. La jeune dame que certains militants d'un parti politique ont présentée comme celle qui était dans une vidéo de sextape avec Paul Chouta a fait un post sur sa page Facebook il y a quelques instants. Et voici l'intégralité du post. Chers amis, des individus animés de mauvaises intentions. Ici, c'est Madame Dingo. Hein, c'est Christelle Mirabel Lingom qui a publié un communiqué sur sa page Facebook. Et elle dit ceci. Chers amis, des individus animés de mauvaises intentions ont failli me confondre dans une vidéo obscène qui circule sur les réseaux sociaux depuis un bout de temps. Je ne fais pas cette taille, ni cette morphologie comme la fille qu'on aperçoit sur cette vidéo. De toutes les façons, chacun est libre de croire, voir ou de penser, même ce qu'il veut. Bref. Je ne me reconnais pas dans cette vidéo et je ne connais pas ces personnages. En dépit de cela, je n'ai jamais été interviewé. Tout cela n'est que de la pure fiction. C'est dans cette même logique que je rejoins donc certains penseurs qui estiment que l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui le déprave. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Garder sa conscience tranquille malgré la préscience des difficultés. C'est savoir préserver son bonheur. Retenons juste que la personne hystérique qui essaie de salir mon image depuis était très proche de moi auparavant. Peut-être qu'il a inventé toutes ces calomnies juste pour le buzz ou pour ternir mon image. Son identité est déjà connue, faut savoir choisir avec qui on marche. Parfois, notre progrès peut causer la schizophrénie à autrui. L'ennemi de l'homme, c'est sa conscience. Mais l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme, reste l'homme noir. Merci pour votre soutien d'effectif. Surtout à ceux qui m'ont alerté, rassurez-vous, c'était juste une erreur. L'important, c'est de se lever chaque matin, d'aller justifier son salaire, afin de payer ses factures, car le champagne n'a meilleur goût que lorsqu'on a la capacité de s'en procurer. Je vous conseille de doubler plus de vigilance sur les réseaux sociaux, car on ne sait pas qui est qui. Mon compte sera inactif pour un bon bout de temps, merci. C'est pas la fin du monde, tout passe, la vie continue, une vraie guerrière n'a pas peur d'un lion. S'il vous plaît, partagez ça au maximum, je laisse tout à Dieu. Donc voilà, la fille en question dit dans ce qu'elle vient de publier que c'est son ancien copain avec qui elle s'est séparée. Et voilà, cette séparation a choqué son copain. Et donc, du jour au lendemain, son copain a décidé de la salir et d'inventer toute cette histoire où on la met en scène avec M. Chouta. Donc, voilà l'une des premières réactions. La deuxième réaction, je vais vous lire
C'est celle de. C'est celle de Giorgio Di Camini Sanchez. Giorgio Di Camini Sanchez, c'est l'acronyme. C'est le nom de combat d'un activiste qui veut rester anonyme. Il écrit ceci. En voulant absolument salir la personne Paul Chota, les cadres et militants du PCRN proches du leader de ce parti ont impliqué à dessein une pauvre inconnue dans une pseudo-affaire de sextape que l'infortuné ne reconnaît pas. Christelle Mirabel Lingom, que le PCR ne voulait faire passer pour une victime de Paul Chota, à l'instar de Malika Baïmi dans l'affaire Martin Camus Mimp, affirme n'avoir jamais fait le sextape de sa vie, ni avec la cible du complot des agents obscurs à la solde de Cabral Libby, ni avec un quelconque autre individu. Donc maintenant, je vais vous préciser le nom de ces agents. Ceux qui sont derrière cette histoire sordide. Les personnes qui ont décidé de manipuler l'opinion afin de faire diversion par rapport à l'affaire Camus Mimp qui prenait de l'ampleur, c'est des membres du PCRN qui sont connus. Je vais vous donner leur nom. Il s'agit de Jean-Louis Batoum, Clotin Guédio Tchado, Fritz Franz Messé, Régis Mathieu, Daniel Sopor. Je reprends encore. Ceux qui ont organisé cette cabale contre cette jeune fille, c'est des personnes, c'est des proches de Cabral Libby qui sont bien connus. Ils ne se sont même pas cachés pour organiser cette machination afin de distraire l'opinion par rapport à l'affaire Camus Mim. Parce qu'en fait, ils étaient en train de vouloir détourner l'attention sur l'affaire Camus Mim. C'est pour cela qu'ils ont lancé l'affaire Paul Chota. Je reprends encore le nom de ces personnes. C'est Jean-Louis Batoum, Clotin Guédio Tchado, Fritz Franz Messi, Régis Mathieu, Daniel Sopor, voilà ces personnes. Ils sont au total 5. Je relis encore leur nom. Jean-Louis Batoum, Clotin Guédio Tchado, Fritz Franz Messi, Régis Mathieu et Daniel Sopor. Voilà ceux qui essaient de manipuler l'opinion, ceux qui essaient de détourner l'attention de l'opinion sur l'affaire Camus Mim. Donc voilà. C'est ce qu'on pouvait dire par rapport à ces troisièmes points sur la communication de ce soir. On passe au quatrième point qui est un thème en relation avec le tribalisme à la CRTV. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas certainement suivi les débats ces derniers temps, voilà, suite au scandale déclenché par Coco, que nous appelons désormais au niveau de la brigade anti-sardinat caca argenté. Suite à ce scandale, il y a des Camerounais qui ont évoqué que cela ne les surprend pas, parce qu'en fait, à la CRTV, le tribalisme est pratiqué au quotidien. Le tribalisme est pratiqué dans le recrutement des agents de la CRTV. C'est une vérité, et nul ne peut le nier. Et donc, maintenant, voilà, face à ces accusations de tribalisme, le directeur général de la CRTV a réagi. Et voilà, je vais vous faire suivre la réaction du directeur de la CRTV. Hein, avant de continuer le commentaire, je vous fais suivre sa réaction. De promouvoir de manière équitable les valeurs humaines et culturelles de toutes nos cultures, autant qu'il y en a. Nous sommes et resterons le reflet de la belle diversité culturelle de notre pays. Nous sommes et devons rester le socle sur lequel viendront se briser les discours de division, de haine et de violence qui ont tendance à prendre le dessus dans l'espace public. C'est un devoir auquel nous n'avons pas le droit de faillir. Donc, vous La voyez, CRTV est le je. patrimoine des Camerounais. Attends un peu, je vais reprendre pour que vous compreniez très bien. Je vais encore reprendre ça. Vous devez comprendre très bien.
Je reprends encore pour ceux d'entre vous qui n'ont pas bien compris. Suite au scandale déclenché par les propos irresponsables de Kaka Janté contre les Bamidéki, il y a eu au sein de l'opinion un certain remous et des personnes ont estimé que ben, voilà, ça ne les surprenait pas parce que, en fait, la CRTV est le chantre de l'ethnocentrisme au Cameroun. Et voilà, face donc à ces critiques acerbes, parce que vous devez comprendre quelque chose. Après le scandale Coco Argenté, le présentateur de Feeling, Cameroun, a été mis en congé. Et désormais, cette émission n'est plus présentée par Monsieur Nia. Cette émission est désormais présentée par quelqu'un d'autre. Donc c'est suite à ces critiques en relation avec le tribalisme que Charles Ndongo monte au créneau, décide de prendre la parole et dit que non, au niveau de la CRTV, il n'y a pas de tribalisme. Je vous fais encore écouter la bande. Parce que tout à l'heure, je vais vous démontrer que ce que M. Charles Ndongo dit, c'est faux. Le tribalisme est institutionnalisé au niveau de la CRTV. Charles Ndongo est le chantre du tribalisme au niveau de la CRTV. C'est lui qui organise le tribalisme au niveau de la CRTV. C'est Charles Ndongo qui, à travers ses recrutements, est à l'origine du tribalisme au niveau de la CRTV. Je vous laisse d'abord écouter Charles Ndongo dans ce qu'il pense être la vérité. Écoutez. Promouvoir de manière équitable les valeurs humaines et culturelles de toutes nos cultures, autant qu'il y en a. Nous sommes et resterons le reflet. Je reprends encore pour que vous puissiez bien comprendre. Je reprends. Suivez bien. Et toutes tendances confondues. Le débat qui a cours sur les velléités de confiscation de la CRTV par telle ou telle communauté ne trouvera jamais d'écho favorable chez moi. Notre démarche est et doit toujours être de promouvoir de manière équitable les valeurs humaines et culturelles de toutes nos cultures, autant qu'il y en a. Nous sommes et resterons le reflet de la belle diversité culturelle de notre pays. Nous sommes et devons rester le socle sur lequel viendront se briser les discours de division, de haine et de violence qui ont tendance à prendre le dessus dans l'espace public. C'est un devoir auquel nous n'avons pas le droit de faillir. Voilà. Je vais vous dire une chose. Ces belles paroles de Charles Ndongo, vous devez la comprendre dans le sens contraire. Charles Ndongo est bel et bien le chantre de l'ethnicisme, si on peut dire ainsi. Je sais que c'est un peu doublé, mais c'est la vérité. Il est le centre de l'ethnofascisme à la CRTV. Je vais vous donner les preuves tout à l'heure. C'est très simple. En date du 20 septembre 2020 à la CRTV, M. Charles Ndongo a procédé à la nomination ou alors a pourvu certains postes au niveau de la CRTV. Donc, je vais vous lire les noms des personnes qui ont été promus à des fonctions de responsabilité au niveau de la CRTV. Voilà, c'était un monsieur Mbia Augustin, directeur délégué monsieur Angolo Martial, directeur délégué CFPA monsieur Mouzon Marc, directeur des antennes TV Mbédé Emmanuel, directeur des antennes radio le retraité Atangana Jean. DRAAS à Bongo Zakari,
directeur de la communication Mbala Odile, directeur des affaires de souveraineté Medio Yves, Mani Zanga, directeur adjoint du patrimoine et des infrastructures, Awo Naricha Etoga, chef de département du courrier, Onguène Gérard, CD du budget et de finances, Bela Marie Laurence, CD des marchés et des approvisionnements, Mvogo Sylvestre, CD de la logistique, Menge, CD des techniques radio, Elundu, CD des techniques télé, Ngono Clarisse, CD de la communication, Ngono Adrien, CD de à la CMCA, Fouman Désiré, CD du patrimoine, Neminga Gisèle, chef radio Sante, Mbala Bert, chef de station Ebolova, Melingi, chef FM Kribi, Nga Mathieu, CD CFPA, Aounou, CD CFPA. CD veut dire chef de division. Hein. Atangana Vincent de Paul, rédacteur en chef radio. Bina Aimé Robert, rédacteur en chef TB. Oona Essomba Evelyne, chef de chaîne CRTV News. Bekono Laurentin, chef de service du Premier ministère. Aléga Sévérin, chef de service de l'Assemblée nationale. Simon Goumou, monteur DAS. Ngazanga, chef de cellule. Menunga Janvier. Non, Menunga Xavier, contrôleur interne. Mvogo, chef comptable. Mbita, chef de service du budget. Olé Olé, chef de service du voyage. Oyé Oyé, chef de service DAI. Je dis bien, c'est deux noms différents. Il y a d'abord Olé Olé, chef de service du voyage. Oyé Oyé, chef de service DAI. Ndongo Norbert, chef de service. Ndongo Nikès, chef de service. Nkoua Jean-Marie, chef de service des approvisionnements. Abeusolo Jeannot, chef de service. Et Lundu Kizito, chef de service. Ngono Essien, chef de service. Esama, chef de service. Odile Ambassa, chef de service. Mbala Agnès, chef de service. Mbala CD, chef de la comptabilité matière. Tous ces noms que je viens de vous donner sont des noms à consonance d'une ethnie précise. Tous ces noms que je viens de vous lire sont des ressortissants du centre-sud et dans une certaine mesure de l'est. Ça, c'est des nominations qui datent de septembre 2020. Monsieur Charles Ndongo se moque de l'intelligence des Camerounais. S'il vous plaît, partagez ça en masse. Partagez ce direct en masse. Partagez dans les différents groupes. Partagez, c'est soutenir la page de la brigade anti-sardinat et faire en sorte qu'elle ne disparaisse pas. Je dis encore, tous les noms que je viens de vous lire, c'est les noms des membres de l'ethnie présidentielle. Tous ceux qui ont été promus en septembre 2020 à la CRTV sont tous originaires d'une même ère tribale. Donc lorsque Charles Ndongo tient ce discours, de qui se moque-t-il? Il ne se moque pas des Camerounais. Il se moque de lui-même. Nous tenons à rappeler à M. Charles Ndongo que les nominations qu'il a procédées en septembre 2020, nous les avons archivées. Les propos qu'il a tenus à la suite des critiques que nous avons formulées au niveau de la résistance par rapport à son attitude, par rapport au fait que il est le directeur d'une société publique qui recrute sur la base ethnique ses employés. Cette dénonciation a fait en sorte que M. Charles Ndongo a produit ce communiqué que vous venez d'entendre et dans lequel il essaie de dire que, à la CRTV, il n'y a pas de tribalisme.
Mais voilà un recrutement qui date du 20 septembre, qui date de septembre 2020. Je ne sais pas quand précisément. Dans tous les cas, ces nominations ont été procédées en septembre. Au niveau de la base, nous archivons tout. Et cette nomination démontre à souhait toutes les personnes qui ont été promises à des postes de responsabilité au niveau de la CRTV sont de la même aire géographique que, ou bien de la même aire ethnique que Charles Ndongo. Alors, monsieur Charles Ndongo, continuez à vous moquer des Camerounais. La vérité, c'est que, et ça, vous ne semblez pas bien le comprendre, c'est que vous n'allez pas longtemps vous moquer des Camerounais. C'est à la suite de ce type de comportement que les anglophones ont décidé de faire scission du Cameroun. Vous êtes justement à l'origine du fait que les anglophones ont pris des armes contre la République. C'est toutes ces frustrations incarnées par vous et certains directeurs généraux issus de la même aire ethnique que le président de la République, M. Paul Biya, le président illégitime du Cameroun. C'est ces mêmes personnes qui ont créé cette envie des anglophones de se retirer du Cameroun. C'est cette même attitude et cette même propension pour le mensonge qui fait en sorte que ça a engendré des frustrations et les anglophones ont décidé de se retirer. Les anglophones ont décidé de ne plus continuer avec le Cameroun francophone. Vous voyez, face à des faits, on s'attend à ce que M. Charles Ndongo se rende compte que l'attitude qu'il a eue jusqu'ici, à savoir nommer uniquement les membres de l'ennemi présidentiel à des postes de responsabilité à la CRTV, qu'il allait en finir, qu'il allait prendre la résolution de diversifier ses nominations. M. Charles Ndongo ne l'a pas fait. Tout au contraire, il se paye la tête des Camerounais et il essaie de démentir les actes qu'il a posés pas plus tard qu'en septembre 2020. Je vous prends tous à témoin. Monsieur Charles Ndongo est un gros menteur et il devrait avoir honte. Charles Ndongo soutient Paul Biya parce que tout simplement Paul Biya est de la même ethnie tribale que lui. Le soutien de M. Charles Ndongo n'est pas objectif. C'est un soutien subjectif parce qu'il s'appuie sur des critères ethniques. Voilà la vérité. Alors M. Charles Ndongo allait raconter ses histoires à des crétins, allait raconter je ne sais pas, ce rêve que vous essayez de vendre aux Camerounais à des crétins. Les Camerounais ne sont pas dupes. Et l'histoire retiendra que vous, Charles Ndongo, vous avez, en date du 20 septembre, procédé aux nominations aux hautes fonctions au niveau de la CRTV et n'avoir choisi que vos frères de la même ethnie que vous. Monsieur Charles Ndongo, vous êtes un tribaliste. Voilà la vérité. Et nous allons continuer à le dénoncer. Nous allons le dénoncer plus fort. Voilà. Désormais, sachez-le, vous n'allez pas nous distraire avec ce type de discours. Ce type de discours mielleux dans lequel vous essayez de vous plaindre. Que, mais comment est-ce qu'on peut parler du tribalisme? Mais vous êtes sérieux, mais c'est vous qui êtes ridicule. Mais rendez-vous compte. Vous êtes ridicule. Je dis, vos approximations managériales, tout le monde est au courant de cela. Mais de là à vouloir démentir que vous n'êtes pas un homme tribaliste. Alors, ça c'est encore une autre aberration qui fait de vous un clown, monsieur Charles Ndongo. La vérité c'est que vous êtes un tribaliste invétéré. Vous soutenez Paul Biya parce qu'il est de votre ethnie. C'est tout. Et rien d'autre. Et cette vérité, vous allez vivre avec. Nous, au niveau de la brigade anti-sardinat de Douala, nous archivons tout ce que vous êtes en train de faire. Le moment venu, on va vous rappeler cela, M. Charles Ndongo. L'histoire retiendra de cela. L'histoire retiendra de Charles Ndongo qu'il fut un directeur tribaliste. C'est tout. Les historiens ne vont pas écrire quelque chose d'autre. Ils vont dire que Charles Ndongo, c'était le directeur qui n'a fait que dans des nominations tribales.
Voilà la vérité. Voilà, je termine avec cela. Je vais passer au cinquième point de la communication de ce soir, à savoir parler de ce trait, Monsieur Bapolipo. Voilà. Vous savez, il est 23 heures. Il est 23h23, heure du Cameroun. Et il faut à tout prix que je passe sur ce dernier point. Parce que vous savez, le temps est imparti et ça fait déjà 1h30. Au Cameroun, on n'a pas assez de mégas. Et quand même vous avez assez de mégas, il n'y a pas de lumière. Pour être sûr d'être suivi par un grand nombre, je vais donc chuter par ce dernier point. En parlant de Monsieur Bapolipo, un autre traître de l'UPC, de l'Union des Populations du Cameroun. Et à ce propos, je vais vous lire un article de Michel Bienton. Vous le savez bien, Michel Bienton, c'est un journaliste web qui a fait de la prison, qui a préféré aller en prison et défendre ses convictions. Donc, je vous lis alors ce que Monsieur Michel Bienton lui par rapport, ce qu'il écrit par rapport au traître Monsieur Bapolipo. Alors, Bienton écrit ceci, sacrilège, Bapolipo revendique le retour au Cameroun des restes du combattant de l'IPC King et Abel. Ces politiciens du Cameroun ne cesseront jamais de m'estomaquer. Après avoir vendu l'UPC aux assassins d'Abel Kingué pour un poste niche de pain, de PCA de la Société de recouvrement des créances, Balipo leur demande de faire rapatrier ses restes au Cameroun. Le vaillant combattant mort en exil en Égypte en 1964 se retourne sans doute à sa tombe. Pauvre de nous! Au moment où certains compatriotes, adeptes de la prise du pouvoir par tous les moyens, rêvent d'une déstabilisation certaine. Ça, c'est ce que M. Bapolipo écrit. Donc, je vous lis maintenant. Ça, c'est ce que j'ai dit avant, c'était le commentaire de M. Bienton. Maintenant, je vous lis donc ce que M. Bapolipo a écrit et ce qui est à l'origine du courroux du journaliste Bienton. Alors, au moment où certains compatriotes adeptes de la prise du pouvoir par tous les moyens rêvent d'une déstabilisation certaine du Cameroun, alors que les passions l'emportent de plus en plus sur l'éthique et la raison, le parti historique, l'âme immortelle du peuple camerounais, se souvenant de la mort d'Abel Kingué en exil au Caire, en Égypte, le 16 juin 1964, invite les populations camerounaises à plus de vigilance et de fermeté quant à la sauvegarde de l'unité, de l'indivisibilité, de la paix et de la prospérité du Cameroun. Aujourd'hui plus qu'hier, pour l'intérêt supérieur de notre nation, chaque citoyen camerounais doit cultiver en lui l'esprit de tolérance, l'abnégation et de confiance aux institutions républicaines. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. On est ensemble. Il ne faut pas sacrifier cette identité remarquable de notre peuple à l'autel d'une option politique qui mettrait l'accent sur la culture de la haine. Il faut un sursaut d'orgueil pour attester que le Cameroun est notre bien commun. Ne tombons pas dans le pessimisme imposé, idéologie de certains leaders de la classe politique camerounaise. Cette construction apocalyptique de ceux qui veulent s'accaparer des richesses de notre pays et n'envisagent nullement de développer notre nation. Ce pays nous appartient. Et soyons très jaloux de notre souveraineté. Au moment où doit impérativement sonner la cloche de la paix dans notre pays, l'UPC appelle ceux qui ont pris les armes contre les institutions de la République à les déposer et à réintégrer une vie citoyenne au sein de l'État. L'option de la sécession n'est pas une forme d'État discutable par les Camerounais. Il s'agit d'une auto-exclusion de la réflexion sur l'avenir de la grande nation camerounaise. Le Cameroun est un et indivisible. Seul cet absolu peut véritablement fonder un nouvel élan pour la consolidation de notre vivre ensemble. Plutôt que de penser ethnie, région, village, pensons d'abord république. La diversité ethnique qui caractérise notre pays est une richesse
dont l'importance n'est plus à démontrer. Alors, combattons la transformation des ethnies en de multiples miroirs à travers lesquels se construirait un certain vivre ensemble. Nous devons véritablement être ensemble pour le bien de notre nation, tous les plans de sa déstabilisation. Le 7 octobre 2018, notre peuple a choisi un homme courageux, sage, expérimenté et qui sait pardonner. Un homme d'État patriote, mieux préparé pour sauvegarder et consolider la souveraineté du peuple camerounais. Cet homme qui est devant le sublime porte de l'histoire de l'humanité et qui rassure le peuple camerounais sur le président Paul Biya. Dès lors, il nous revient de mettre entre parenthèses les attitudes de défiance tendant à installer un climat d'instabilité permanent dans notre pays. L'UPC, le parti historique, l'âme immortelle du peuple camerounais, sait pouvoir compter sur la détermination des dignes descendants des pères fondateurs de cette nation que nous avons reçue en legs afin de faire triompher les vertus de notre attachement à la paix et à l'unité. Notre détermination afférente à la sauvegarde de la dignité du peuple camerounais est indissociable du rejet des ingérences étrangères quant à la gestion de la souveraineté de notre nation. Gardons-nous de servir d'instrument, voire de satellite à la déstabilisation du Cameroun. Les défis et enjeux actuels exigent de chaque leader politique de notre pays une représentation permanente des sacrifices de nos martyrs. En inscrivant notre engagement dans ce sillage, Abel King et tous les autres héros de l'indépendance du Cameroun resteront les guides éternels de l'unité et l'indivisibilité du Cameroun. Sous ce serment, l'UPC œuvre aujourd'hui pour le rapatriement des restes d'Abel King au Cameroun. Donc voilà, c'est ces paroles mielleuses qu'ont eu à prononcer M. Bapolipo. Je tiens à vous dire une chose, et ça je vais clore avec. Voilà, ça c'est le propre de certains leaders camerounais qui ont rejoint la Mangeoire. Vous savez, la politique, c'est une question de conviction. Lorsque du jour au lendemain, vous renoncez à vos convictions, comme c'est le cas avec M. Bapolipo de l'UPC, vous pondez ce genre de discours mielleux qui ne veut rien dire. M. Bapolipo se reconnaît en tant que UPCiste. Voilà, l'UPC a combattu avant les indépendances. Le système colonialiste français qui était mis en place par les dirigeants français. Après l'indépendance, après la pseudo-indépendance, parce que c'est comme ça qu'il faut appeler l'indépendance camerounaise, après cette pseudo-indépendance, l'UPC a continué à combattre ceux qui étaient les pour laquelle l'UPC a combattu ce système, c'est parce que l'UPC estimait à l'époque et estime encore aujourd'hui que ceux qui sont à la tête du Cameroun sont des pions du système néocolonialiste mis en place. Monsieur Bapolipo, qui a retourné sa veste et qui a reçu un poste de PCA du jour au lendemain, décide que les Camerounais ne doivent plus se diviser. Comme si ces Camerounais étaient à l'origine de cette division. Les Camerounais ne sont pas à l'origine de la division actuelle. Vous et moi, nous le savons. Ce qui est à l'origine de la division actuelle, c'est les tenants de ce pouvoir qui s'en servent pour opprimer le petit peuple. Alors,
Je vais vous dire une chose. Le discours de M. Bapo-Lipo est à mettre dans la poubelle de l'histoire. C'est à mettre dans la poubelle de la traîtrise qui a caractérisé cette partie du Cameroun. Dans l'Union Ékélé, curieusement, le département d'origine du Mpodol, tous ceux qui ont suivi le Mpodol ont toujours été des traîtres. Mahi Matip est celui qui a vendu la position du Mpodol aux colons français. Vous le savez très bien, le Mpodol Ruben Oumniobé a été exécuté par un tirailleur tchadien. Et que cela a été possible parce que Mahi Matip, qui était le dernier à avoir rencontré le Mpodol dans le maquis, au niveau de Boumnyébé, avait donné la position, après l'avoir rencontré, au militaire qui était en train de le traquer. Depuis là, c'est une malédiction. C'est comme si le Mpodol avait maudit toute cette lignée-là. Que ce soit comme existence, on n'a insulté personne. Nous n'avons pas vocation à insulter les gens sur cette page. Vous savez, nous menons un combat juste. Et donc le seul fait de mener un combat juste fait en sorte que nous avons une base argumentaire qui nous permet de tenir. Nous avons une base argumentaire qui nous permet de pouvoir dire ce qui est la vérité. Et donc c'est sur la base de cela que nous allons continuer à progresser. Voilà. Je le dis encore, restez fidèles à la page de la Brigade Anti-Sardina. Si vous avez des suggestions à nous faire, bien vouloir nous les envoyer, ou alors poster ça sur la page, à l'endroit réservé à cela, ou alors aller en inbox et mettez cela à notre disposition. Nous allons les lire. Et nous allons nous améliorer. Nous n'estimons pas que nous sommes parfaits. Quand nous avons commencé avec cette page de la brigade anti-Sandina, on était dans un balbutiement total. À un moment, on a décidé d'arrêter d'y mettre parce que vraiment on allait dans tous les sens. Il fallait redéfinir ce qu'on voulait faire avec cette page. Et il fallait avoir des idées précises par rapport à la direction que nous voulons prendre. Désormais, c'est chose faite. Et la qualité du direct va de plus en plus s'améliorer. Nous serons une voix de la dissidence au niveau du Cameroun. Nous n'aurons pas peur de donner nos points de vue. Nous serons respectueux. Nous allons rester humbles. Mais nous n'allons pas nous laisser intimider. Ça, c'est très important. Je vous souhaite une bonne nuit et au plaisir de vous avoir de nouveau. D'ici quelques jours, ou peut-être demain matin, ça dépendra de l'évolution de l'actualité. Pour un autre direct sur la page de la brigade anti-sardine de Douala. Bonne nuit. Au revoir.